Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et en vrai, je me suis posé la question si je filmais ou pas. Parce que de base, j'avais des petites choses de prévues, je voulais emmener Quantum et tout à l'écurie. Et en fait, je suis malade. Enfin, ça va pas fort, je tousse et tout. Je pense que j'ai eu de la fièvre cette nuit. D'ailleurs, il m'est arrivé un truc, ça ne m'est jamais arrivé, je suis tombée de mon lit en dormant. Non mais à quel moment? Bref, c'est pas la grande forme et du coup je pense que je ne vais strictement rien faire avec les poneys et ça fait partie de ma vie donc je vais vous le montrer. Sachant que je tenais encore une fois à vous dire un énorme merci. On vient de finir le jumping de Bordeaux où vous avez été énormément à venir me voir. Vraiment merci 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 parce que je pensais sincèrement que s'il y avait déjà 3 ou 10 personnes au meet-up, j'en aurais été très ravie. Et en fait, le premier jour, vous avez été environ entre 170 et 200 à venir me voir. C'était dingue. Donc vraiment merci. Et le dimanche, le meet-up a duré 1 heure contre 2 heures le samedi. Et c'est pareil, le dimanche, je pensais qu'il y aurait personne. Et en fait, si. Donc vraiment, trop merci. C'était hyper chouette de se voir, etc. Et ça a été plusieurs journées un peu de rush avec Lorraine. Et du coup, après, j'ai rattaqué le lundi et mardi au boulot. Et je me suis pas reposée. Et là, on est mercredi. Et mon corps, il me dit, calme-toi, ma petite dame. Et du coup, je suis malade. Voilà. Bon, c'est pas grave. Hein, je tousse juste. Et j'ai eu de la fièvre. Mais bon, on va profiter des garçons autrement. Et comme d'habitude, je vous emmène avec moi. C'est parti. J'aimerais bien cleaner les box. Je pense qu'on va faire ça, mettre un bon coup de balai. Y a Nathalie ou ses ouvriers qui ont bien nettoyé là, donc ça c'est chouette. Mais j'aimerais quand même bien balayer les box. Comme ça, à tout moment, ça me fait un petit peu transpirer et avec la fièvre, c'est pas plus mal. On a Quantum et Ghost ici et juste là, Mirabelle et Minous. Je crois que Minous il m'a repéré. D'ailleurs, je vais voir s'il a pas trop chaud pour potentiellement lui enlever la couette. Ça va ma beauté? Il y a le piou là-bas. Quantum! Ah si, je pensais qu'il m'entendrait pas avec le vent, mais si. Ah, l'accueil est un petit peu meilleur que quand il y avait Lorraine. Ouais, mon bébé. Sinon, ici, ça n'a toujours pas séché. Oui, Mimi, tu veux parler aujourd'hui? J'ai hâte que ça sèche, parce que là, c'est un bazar. Hein. C'est l'hiver, quoi. Bon, là, je suis en t-shirt parce qu'il fait 17 degrés, donc franchement, on va en profiter. Et qu'en plus, comme je l'ai dit, j'ai un peu de fièvre. Mais je pense que je vais aller faire brouter les garçons un peu au fond. Hey! Il y a Mirabelle qui arrive à fond. Et Ghost aussi. Je sais pas où est Quantum. Du coup, je me fais un peu dévaliser. Doucement avec mes doigts. Oh, Ghost, il est toujours hyper brut. Hop, je te mets par terre, Mira. Et ma beauté des îles. Ah, il y en a un qui arrive à fond. Hey! Ah bah ça fait quand même plus plaisir de se voir dans ces conditions là. Ça va mon piou? Évidemment, je vais en donner une. Ça je range. Je vais en donner une à Quantum, qui n'en a pas eu. Tac. Donc la semaine dernière, en fait, quand avait Lorraine, vous vouliez pas montrer que en fait vous m'aimiez un petit peu. Ça il avait même fait demi-tour s'il vous plaît quoi. C'est très rare. Alors que là, c'est arrivé à fond. C'est chouette. Bon, je lui enlève la petite couverture pour qu'il profite un peu d'avoir la peau à l'air. Pendant que Saf, il se roule. T'aurais attendu à peu près 3 minutes. T'aurais pu te rouler sans couette. Attendez-vous, je vous enlève la couette. Il manque plus que moi qui roule dans la boue et on sera bon. Est-ce que vous avez 5 minutes là? Et de 1 à poil. Je recouvrirai après. Nu et tout bronzé, mon petit chat. Saf, à toi. Je vais enlever cette couette. Hop. Et de deux. Maintenant, tu peux te rouler dans la boue. Et prendre ton pied. Je peux... Ah, il va se rouler dans la boue, ouais. Regardez-le qui cherche. La tonte au niveau du ventre, je suis d'accord, elle est très approximative. Hein. Mais franchement, vu les problèmes qu'on a eu avec les tondeuses, nique. Oh là là. Cracra. Allez, ça frotte. Bizarre que ça se retourne pas. Voilà. Oh bah. Alors on a la bêtise, hein. Wouhou.
On a donc la connerie. Ils sont contents, je pense, d'être tout nus. Saf, c'est du mauvais côté. Eh ben Ghost, tu vas pas les rejoindre? Allez. Saf, il est on fire. Et le poney aussi. Ça fait plaisir. Sauf que Saf, il est clairement capable de sauter là où Quantum s'est arrêté. Non mais Saf, il peut passer entre les... J'espère qu'il ne va pas sauter. Oh waouh. Je pense qu'ils sont contents d'enlever les couettes là. Samy! En fait, je retire ce que j'ai dit, ça a quand même un petit peu séché. Ça peut être mieux, mais c'était bien pire. Moi, je sens une bêtise de Saphir incessamment sous peu. Et ben voilà. Mais je rêve. Non, il y en a un qui montre une connerie, l'autre y suit. Saphir, il est censé montrer le bon exemple. Oh là là, les bêtises, les bêtises. Il n'y a plus de clôture entre les piquets là-bas. Il y a juste une clôture qui délimite les deux prés là. Là, je crois qu'il y a une clôture, non? Je sais plus. Attention, ça va arriver. Ça va les boys? Ah, il envoie le Safou aussi, hein. Eh ben, ça fait inarrêtable. Je pense qu'il va repartir là. Changement de pied là, voilà. Et vous allez vous fatiguer pour rien, hein. S'il n'y avait pas les deux autres, à tout moment il irait sauter, hein. Ça ne m'étonnerait pas. Et eh ben Mimi, et eh ben ça fait plaisir de voir que moi je suis pas très en forme, mais eux ils pètent le feu, c'est trop cool. Quantum il est en train de lécher Mira et Mirabelle elle peut pas se le saquer. Encore une fois, mais Quantum il a rien à faire. Et Saphir il est en train de manger de l'autre côté. J'attends juste que ça sèche un peu pour leur rouvrir le grand pré. Je pense d'ici une semaine ou deux, ça devrait être bon. Et c'est reparti. Là c'est Mira qui a déclenché le truc. Je ferais mieux d'aller lui faire sauter des soubassements bleus au petit poney là que de se poser la question devant une barrière. Parce que vraiment, si Saphir tout à l'heure il n'y avait pas les chevaux, je pense qu'il serait passé. Bah alors, Mimi, tu souffles comme si t'avais fait un marathon. En même temps, presque, hein. Bah alors, vous étiez contents. Tu sais, on fait du cross là le 18 février. C'est bien de faire ton cardio. En beauté. Oh, il est en forme, ce petit chat d'amour. T'es sale aussi, hein. Ouf. Berk. Berk, 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 berk. Ah, ma Mimi. Est-ce qu'on peut admirer l'état de la queue de Saf? It's a pleasure. Et ses belles fesses. Je voulais les faire brouter au fond. Mais je pense que je vais juste les regarder faire leur life, en fait. Donc je commence à filmer et vous arrêtez vos bêtises. C'est toujours comme ça. Ça va les garçons? J'allais dire là vous voyez à peu près la taille de Quantum avec Saphir, mais en fait pas tant que ça parce que Quantum il est en avant-plan et Saphir il est en arrière-plan. Mais Quantum a quand même bien grandi, mais toujours plus petit que Saf. Et il restera quoi qu'il arrive plus petit que Saf. Comment ça va mon petit chat?
on a sali tout ça ici, hein. Ça va, mon bébé? Bon repos pour toi aujourd'hui, c'était pas prévu. Ta mère, elle est moins en forme que toi. Donc, au repos. C'est pas lui qui va en être dégoûté, hein. Je peux pas vous laisser tout nu toute la journée, enfin, et toute la nuit, parce qu'il fait pas assez chaud. Et que je peux pas venir toutes les 10 minutes. Ça attendra le jour où je vous aurai à la maison, où je pourrai tout gérer, les couettes, ça sera plus facile. Mais bon, là, tout à l'heure, en tout cas, il transpirait pas sous la couette. Mais je pense quand même que cet élan de folie, c'est parce qu'ils n'ont pas la couette sur le dos. Et ça, je peux le comprendre, hein. Je me dis qu'avoir quelque chose tout le temps sur le dos, ça doit pas être franchement agréable. Et d'ailleurs, je sais pas si je vous en avais parlé. À tout moment, oui, et je vais me répéter, mais tant pis. Je pense que c'est le dernier hiver de Saphir avec la Bucas. Alors, leur système thermorégulant est vraiment bien et j'ai jamais eu de problème avec Saf. Mais le gros point négatif, à mon sens, c'est la coupe de ses couvertures. Je trouve qu'elle lui appuie quand même pas mal sur le garrot et tout. J'en ai deux, j'ai la light et la medium. Je crois que c'est la light qui tourne un petit peu. Enfin voilà, la coupe est pas optimale, il n'y a pas de soufflet d'épaule, etc. Et du coup, je veux un maximum de confort pour mon cheval. Il aura fait deux ou trois hivers avec. Encore une fois, j'ai pas eu de problème, que ce soit quand il était tendu à fond ou pas. J'ai pas eu l'impression qu'il avait froid sous sa couverture ou trop chaud. Mais voilà, si je peux lui apporter un maximum de confort. Et puis encore une fois, Saphir, ses années sportives sont quand même derrière lui, même si on va continuer un petit peu cette année et peut-être l'année prochaine, etc. Mais le plus gros est fait. Je ne pense pas que Saphir sera tendu entièrement dans les prochaines années. Je pense pas. Et Quantum, qui est quasi tendu à fond, sa couverture, la première équine, elle est géniale. Révélation. Donc pour ça, je m'orienterai soit pareil sur une première équine, soit tester les horsewear, parce que j'en ai jamais eu. Et je sais qu'elles sont très très bien aussi. Enfin, j'ai que des bons retours sur ces couettes. Donc à voir, l'un ou l'autre. On revient ici. Hop. Ben moi, je vais m'attaquer au box. Allez, go transpirer un petit peu. Ben oui, Mimi, tu chasses Ghost. Alors Mira, elle est pas contente. Il y a rien dans le box. Et toi, dis quelque chose. Envoie le boulet une bonne fois pour toutes. J'adore observer. C'est toujours les juments qui dirigent. Du coup, Saf, là, il regarde comment il peut se faufiler. Mais je vais vous remettre du foin après. Ah, moi, je n'interviens pas dans vos problèmes. Hein. C'est pas mon troupeau. Et Saf, il va faire bouger Ghost pour trouver sa place. Mira, ce tas de foin, il peut pas être que pour toi. Faut partager. Que ce soit Ghost, Saphir, Quantum, faut partager. Là, il vient de lui refaire un signe comme quoi il ne doit pas s'approcher. Donc, il tourne. Et quand les deux tournent, en fait. Et quand elle autorisera, ils se caleront. Quelle morue. Bon, je dis quelle morue, mais c'est son rôle, hein. Et l'enfant nous a rejoint. Et vous allez voir, typiquement, Quantum n'en a strictement rien à faire de Mirabelle. Là, vous allez pouvoir voir typiquement le comportement. Mirabelle va lui faire normalement un signe comme quoi il doit bouger. Genre déjà, juste ça, le regard. A rien à faire. Sur Quantum, il n'y a que Saphir qui a vraiment l'autorité. Regardez, là, il lui envoie des signes. Soit il va venir me voir. Voilà. T'en as partout, Quantum, t'es dégueu. Le signe est assez clair. Oh, il lui fait un snapping. C'est très rare. Mais ça lui suffit pas pour se bouger. Il y a que Quantum qui tient tête à Mirabelle. C'est l'enfant insolent. Et par contre, c'est pas cool parce qu'il se met à pleuvoir. Il fait 17 et il pleut un petit peu. Et comme d'hab, j'ai ça toujours sale. Donner des petites pommes au poney, voilà, Saphir qui chasse Quantum. Par contre, tout le monde en a eu, donc on partage. Et là aussi, je tenais à vous remercier parce qu'au Jumping de Bordeaux, vous avez été plusieurs à leur faire plein de petits cadeaux. Alors à moi aussi, donc merci. Notamment, j'ai reçu une petite figurine de Quantum beaucoup trop mignonne. Je vous la mets en photo juste là. Et j'ai reçu un dessin trop trop beau de Saf. Et de toute façon, on le reconnaît direct. Et c'est ce que je disais à Lou, donc la personne qui m'a fait ce dessin. Je sais exactement quelle photo
elle s'est inspirée. Donc franchement, trop merci. Et ils ont eu plein de petites gourmandises, donc je leur ai tout donné. J'ai fait un petit short sur YouTube pour que vous puissiez voir. Donc encore merci pour eux, ils ont été très contents. Je vais te laisser passer sur le foin. Mirabelle, c'est pas que pour toi. Quantum, c'est glissé. Et Saf, voilà, il va se mettre là. Je vais vous en mettre après plein. Mais là, il faut partager. J'ai la flemme de faire les box. Pourtant, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Franchement, d'ailleurs, 3 caca et balayer, donc c'est franchement rien. Et je vais le faire. Ça va me faire du bien. Mais je pense qu'en fait, je vais leur donner le foin tout de suite, là. Comme ça, ils vont s'occuper à manger. Et tout le monde y aura accès. Parce que là, il y a Saphir, Quantum et Mira. Et Ghost, Mirabelle, là, le laisse pas approcher. Donc comme ça, tout le monde en aura. Ghost, faut que tu ailles. Allez, vas-y. Rentre dans le tas. Il y a une nouvelle botte de foin, donc j'ai besoin de ça pour les ficelles. Et let's go. Je voulais prendre le trépied, mais j'ai aucune idée d'où il est. Hein. Faut que je range. Ça se dérange quand même plus facilement que ça ne se range. Le bazar, il arrive plus vite. Il pleut. C'est pas grave. Enfin, si, il y a déjà assez eu de pluie ces derniers mois. Mais je vais être abritée pour le foin. Dans la série, j'ai zéro force. Je voudrais Jade. J'ai gagné. Un peu surveillée parmi nous. Oh. On a une jument, celui-ci. Tout à l'heure, vous étiez posé sur la guette. Hop. J'aimerais bien passer un petit coup de brosse sur ces petits messieurs. Parce que je vais pas vous remettre... Enfin si, Saphir, je vais te remettre la couette. Quantum aussi, mais je vais t'enlever la doublure, Quantum. Parce que j'ai regardé la météo et que genre il fait 10 ou 12 cette nuit. Donc franchement, ça va. Mais avant, on va nettoyer le popotin, ce petit poney. Tout crado. Regardez, Burke. Burk, 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 burk. Et puis tout est burk. Hein. Oh. En vrai, il s'est pas roulé, mais c'est des projections de boue. Quand vous avez galopé comme des teuteux tout à l'heure, c'était bien. Non, lui, ça fait un mois qu'il a été tondu et c'est plutôt pas mal. Coucou! Est-ce que c'est vraiment utile de virer Ghost pour se mettre à côté de moi? Hein? Bah oui. Toi aussi, il faut que je te brosse. Ah, c'est cool, hein. Le côté, c'est tondu, c'est du facile. Là, ça sera moins simple. Et alors là, je vous en parle même pas. Et miam. C'est un plaisir. Ah. On passe du gris au noir. Je sais même pas si je vous mets le coup. Mon Saphir, je pense pas. Et en fait, il fait pas du tout froid. Hein, donc même toi qui es tondu à fond, enfin à presque fond, je ne pense pas. Ça accroche bien. Je suis en train de m'étouffer. Et j'allais rôter. Purée. Je commence à avoir froid en plus. Bon, j'ai à peu près fini ce que je voulais faire avec les poneys, à savoir rien. De base, si, je voulais vous faire brouter au fond, mais vous en avez décidé autrement. Vous avez fait des fifous, et après, ils se sont posés au foin, donc je respecte.
moi je kiffe passer du temps comme ça avec eux. Et rien que pour ça, je mets des guillemets parce qu'en vrai, je pense que j'y passerai la plupart de mon temps. Ça me tarde de les avoir chez moi un jour pour pouvoir profiter d'eux non-stop en fait. Juste aller leur faire un bisou au pré, leur faire une caresse, lui donner une petite pomme. Enfin voilà, juste vivre ça à 100% avec eux. Ça, c'est un truc que je rêve depuis des années. Donc on va croiser les doigts très fort pour que ça se réalise cette année. Et bah écoutez, là je vais nourrir et je vais mettre un pull parce que j'ai froid. tout ça, ça attendra pour le rangement, hein. Tant pis. Une veste, une nourriture et au lit. Mais par contre, sans rire, comment vous voulez ne pas craquer avec cette petite tête beaucoup trop mignonne? Il est trop beau. Qu'est-ce que j'ai de la chance de t'avoir, mon Mimi, dans ta vie. Enfin, dans ma vie. Oh là là, je sais plus parler. J'ai trop de chance de l'avoir dans ma vie. Des paroles que vous avez déjà entendues et que vous réentendrez encore et encore et encore parce que j'en suis tellement consciente. Et j'ai hâte de pouvoir écrire un nouveau chapitre un jour de vous chez moi. Ou de moi chez vous. Les deux fonctionnent. Trêve de plaisanterie. Lui, c'est ça qu'il veut. Moi j'ai... Hop. Miam. Purée, mais si moi je pouvais me faire à manger et que ce soit si rapide, ça serait trop bien. En vrai, je dis ça, mais quand je mange une soupe, c'est... Bon, c'est pas aussi rapide, mais c'est rapide. Chacun leur grain. Hop. Et tic et tac, je vais vous donner un peu de grain de saf parce que vous avez tout mangé. Et votre mère, elle a pas encore eu le temps d'aller en chercher. Donc je vais vous en donner deux minous, même si c'est pas hyper adapté. De toute façon, c'est histoire d'eux parce que tous les deux, on n'en a pas trop besoin. J'étais au téléphone, donc je n'ai pas géré. Regardez-le, lui, là. T'as pas piqué dans le seau du poney, quand même. Parce que lui, il va te laisser faire... Non, mais sous mes yeux, hein. Non, mais... Mimi! Mais, sauf... Ouais. Mais t'es insolent, hein. En plus, tu fais des bouchons œsophagiens avec ces grains. J'ai essayé de te passer sous ces flocs. Mais ça marche pas. Donc, pas de bêtises. Et on va remettre la couette. Et toi, t'es trop gentil, hein. Crie, dis non. Et le rendez-vous téléphonique, alors, moi, je suis pas du genre, et je pense que vous le savez, à vous dire, il y a un projet qui arrive, blablabli, blablabla. Mais si cette chose peut se faire, ça serait génial. Voilà, je vous en dis pas plus, parce que, bon, en fait, moi, j'aime pas trop faire de teasing, j'aime pas trop annoncer des choses tant qu'elles ne sont pas certaines, parce que ça me porte l'œil. Enfin, tout du moins, c'est ce que je pense. Donc... Je vous en parlerai quand tout sera officiel. Je croise les doigts. Et voilà. Bon, Mimi, on remet la couette. T'as fini? Toi aussi, tu vas remettre la couette. T'étais bon? Oui. T'es dans un état de tête très, très sale. Voilà. On a mis la chemise de nuit. La chemise de la night. Hein? Je te remets pas le couvre-cou. Pas besoin. Quantum, je l'ai mis. Parce que Quantum, il est un peu plus frileux que Saphir, en vrai. Bah oui. À demain, les garçons. Qui c'est qui a chié dans le foin? Ça ressemble à Quantum ou Saphir? Mais Saphir, il vient de crottiner là-bas, donc ça ressemble à Quantum. Oui, parce que je reconnais le caca de mes chevaux. Eh ouais. Je reconnais autant que ce mignon, c'est qu'après avoir mangé, il y a le dessert. Hop. Ça va tomber. Allez, dessert parti. Ah, au fait, faut que je vous montre. Non, pas le bazar qu'il y a dans cette voiture. Mais comme convenu, j'ai récupéré ma selle au jumping de Bordeaux avec de nouveaux sanglons. Par contre, mon pote, ils ont l'air hyper rigides. Enfin, le cuir, il a l'air... Bah, il est tout neuf, hein. Mais autant là, il est archi souple. Là, on dirait que c'est du faux cuir, tellement qu'il est neuf. Il y a du vent, je suis en train d'attendre Oreo, voilà, qui nous fait l'honneur de venir. Allez, tu montes dans la voiture. Et là, bon, je vais pas filmer, mais je vais, je pense aller à Cheval Shop, puisqu'au jumping de Bordeaux, j'ai vu la gérante de Cheval Shop Bordeaux, Fanny, que je connais un petit peu, et je lui ai parlé de ma Lister, la tondeuse, du coup, elle m'a dit de lui apporter. Donc, je vais lui apporter pour qu'elle l'envoie à un SAV. Je vous tiendrai au courant de cette histoire de tondeuse. Bon, du coup, les loulous, je vais arrêter cette vidéo ici. Elle aura été, je pense, un petit peu moins longue que les précédentes.
Mais c'est une journée juste à profiter des garçons et puis c'est tout. Et ça fait du bien, les journées comme ça, alors que je m'étais mis un super programme aujourd'hui, de monter, etc. Mais des fois, il faut savoir s'écouter. Et on se repose du coup aujourd'hui. Bref, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.